Bien-aimé Zambe Apambola, Mokona Moko, Nazoko salue Mokona Moko, Aza connecté Natango Oyo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, et que le Bokona Zambe et Monisama, Nabomo ya Mokona Moko, Oya Poussani ni Bosona Zambe, na après-midi Oyo. Que Zambe Nabomo, Zambe Oyo. Aratakate na pogami na ye, ye moko atele manatango yo, ye moko amimoni sama, na oyo abongisi, kosale labiso, wuta kovanda lelo, ti kino tokoeba kosisa pogami na biso vendredi. Alors kolo na bon moi, alingi yo mingi, Dieu nous aime, Dieu t'aime bien aimé, yamwazo ti ni labiso maloba oi. Avant d'aller plus loin, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ozo bon de l'Anzambe et te kolo a l'obelayo et te kolo a monayo salilo malamu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, parole ko bimalelo et me makondi makati na bon moyinayo. Yango ko bon de la et te kolo a disposé yo. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, je recommande ce temps entre tes mains, ce moment précieux que tu veux nous parler, Seigneur Dieu de grâce. Papa, en dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la parole, la vraie parole. C'est pour cela, apôtre Pierre a dit, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de vie. Oui, Seigneur, c'est toi qui as la parole de vie. La parole des hommes n'est que vanité. Yahweh nanguya soki yo lobi yo kokisa kanzan. Yango na loba loba na yo eza vérité. C'est pour cela Nzambe to pousseni liboso na yo. Lobe la biso Seigneur Dieu. Nini oyo bongisi. Talisa biso Nzambe. Oyo za pense na yo. Oyo lingi biso to sal. Oyo lingi biso to tambula. Nzambe lobe la biso. Je recommande mes bien-aimés entre tes mains. Seigneur Dieu, dispose chacun de nous en. Et esprit à mon col, à mon col, à la kofongwama. Afin que tu comprennes ainsi dit l'Éternel. Je détruis tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout puissant de l'ennemi. Je l'anéantis au nom puissant de Jésus. N'y a pas de distraction, à paresse, à dégoût. N'a repoussé en haut, mais n'a chassé en haut loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Prends contrôle de cet temps éternel à Dieu. Prends contrôle de nous Zambé. Mais pambola tango yo. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Toujours qu'on poursuivre Oyezali enseignement na biso. Toujours qu'on m'a souka. Maloba na Zambé si la gâte. Mais selon le programme, Oyo Zamba Zo Pesa Biso, Tozo Kenina Kosilisa, semaine Oyo Tozo Banda, à partir ya lundi, Tozo Kota na prière, tu vendredi. Donc pendant la journée, Zwata na yo ya prière, ya kobon de l'anzambe, Poussane pa in anzambe, Luka elongi nanzambe. Alors on a poko à 21h, tous ensemble en ligne na connexion na live ko bon de l'Nzambe ko luka lisu selongi na Nzambe dans l'ensemble tu vendredi to yeko silisa. Alors enseignement tozo ko silisa lelo pour to kota na prière. Aujourd'hui nous allons parler des points importants oyoko sunga yo pendant ba prière na yo donc wuta le banda lelo. Oye ba préalable nini, ma kamouni ne sengeli, avant to se lancer na prière, avant o se lancer na combat spirituel ou na délivrance, nini sengeli na yo yeba, nini lolenge ni sengeli o bongama, pour que délivrance o yo, ozo luke pa in Nzambe. Ma prière aujourd'hui, nous ne sommes pas en Nzambe. Et ça a été fait. Et c'est manifesté. Au vivre ma fouille.
Et deuxième point, tu vas reparler sur les obstacles. Oui, ça, la gaké, délivrance est échouée. Ou au vivre, foui, il y a délivrance, ou yo luke pa yon zambete. Et là, on dit, ça, la gaké, obstacle. Il y a moi, tu vas reparler les lots. Après, tu vas na programme, il y a prière. Bien aimé, vendredi passé, nous avons parlé, nous avons commencé sur le combat spirituel et la délivrance. Nous avons parlé beaucoup plus sur la délivrance. Nous avons dit que la délivrance, c'est un combat spirituel. Où s'est manifesté sur le plan spirituel. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, à partir du 18e verset, la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui ont les cœurs abattus, ceux qui ont les cœurs blessés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vues pour renvoyer libres les opprimés. Nous avons parlé que la délivrance, ce n'est pas domaine de l'homme. C'est la délivrance appartient à Dieu. La Bible dit ceci dans les livres. Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 22, la Bible déclare. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Mais espérez en l'Éternel parce que c'est lui qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre. C'est très important, bien aimé. Yakoyeba ete. La délivrance appartient à l'Éternel. Proverbe chapitre 21, verset 31, la Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mais il faut y la délivrance appartient à l'Éternel. Nous allons un peu développer ce sujet-là. Nous avons parlé aussi, la mission de Moïse était d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. On délivre quelqu'un qui est emprisonné. On délivre quelqu'un qui n'a pas l'autorité sur lui-même. Qui n'a pas l'autorité, qui n'a pas le contrôle de sa vie. Quelqu'un les contrôle. Quelqu'un les manipule. Tu as besoin de la délivrance. Donc, tant que Ozana na domination, ou bien Ozana na autorité, Ozana puissance, Ozana pouvoir, na bon moyenayo, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a. Il faut chercher la délivrance afin que Christ te délivre. Zamba délivré yo parce que la délivrance appartient à lui. Nous avons parlé sur trois points importants. Nous avons parlé sur la possession, l'obsession et l'oppression. Nous avons parlé ces choses en détail.
Nalingi kozonga la ngo lishusu te parce que nous avons aussi beaucoup à parler aujourd'hui afin que tout avance. Alors, nous voulons parler aujourd'hui sur deux points importants. Avant d'aller dans la prière, est-ce que nous avons apte pour nous en prière que nous avons délivrance de nos dans Zambé? Ce qui nous a dit, c'est que nous avons au bon gamin. Pour que nous avons été en pambaté. Trois points importants. Le premier point avant d'aller, les préalables, les points importants. Étant que chrétien, étant que serviteur, servante de Dieu, on a poussé les pas dans Zambé, avant de lancer dans la prière, dans la délivrance. La première point ezengeli oyeba omitu na kati na yo yo moko na no otala, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis converti? Est-ce que vraiment j'ai fait la vraie repentance? Est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Parce que tant que nous avons la prière et que nous avons la conscience, tu sais que non, nous avons une aventure, une sérieuxité. Alors, nous avons prié pour la délivrance sur base de quoi? Sur base de quoi? La Bible déclare ceci. Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit ceci. Marc chapitre 15 et 16, verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible dit par la suite que Naba oyonyos bandimaki apesi bango bokonzi. Voici le miracle qui accomplira ceux qui auront cru. En mon nom, je serai les démons. Donc, il faut croire. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que moi, dans la Zambé, je pouvoir wana. Et que ça a été devant les démons, je la autorité de Kolona Bango. Je la capacité de chasser les démons. Je la capacité de détruire les œuvres du diable. Mais ceux qui n'ont comme moi, dans la Zambé, ne te lance pas au combat spirituel. Ne te lance pas dans ma délivrance. Parce qu'il y aura l'échec. Comme les sept fils de Sheva, dans l'Acte de l'Apôtre, chapitre 19, à partir du 15e verset, les Juifs fous, y a battu moutons avec qui démoniaque. Aux qui possédaient, ça les délivrance. Je priais pour naïe. Mais les démons parlaient, na kata mutuana toi tout ni bango. Naïebi Paul, naïebi Jésus-Christ, oyo, Paul a zoko prié, a zoko sambela, naïebi. Mais bino, oza banane. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau.
Il n'était pas converti. Il n'avait pas la repentance. Donc avant de lancer, c'est pour cela mingi ba bonde la kabazo bonde la mais bazana no bana na nzambe te mais bozo ke ne ko bonde la na combat spirituel. Bozo ke ne ko combattre les diables. Bozo ke ko combattre les puissances au bazana ni oh ba l'homme fort kati na mabota. Mais yo moko na no bonwalité. À la peur que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, d'abord la repentance. Il faut comme moi, nous avons dit, bien-aimé. Il faut aussi la vraie conversion, vraie repentance. Il faut naître de nouveau. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 3. Dans la conversation avec Nicodème. Nicodème était le docteur de la loi. Mais n'était pas enfant de Dieu. Azalaki Israélite Yamakila. Mais Azalaki moi n'en zambete. Parce qu'il n'était pas né de l'esprit. Moutouaza né de l'esprit. C'est celui-là qui est né de nouveau. Il marche la nouveauté de vie. C'est celui-là qui a le pouvoir. Oyo ke ba miracle koko compagnie. C'est très important. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point. Avant de se lancer dans le combat spirituel, dans la délivrance, être conscient de ta position en Christ, c'est très important. Être conscient de ta position en Christ. Il faut y avoir autant conscience. Que dans la position dans les animes, dans Christ, tant qu'on démêle Yeshu, au commis moi dans l'ensemble, aux autres occuper une position. En Christ, tu occupes déjà une position. Oui, Seigneur, il y a un conscient. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ta position, bien-aimé. Ta position, tu es sur la terre. Tu es sur la terre physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas sur la terre. Ta position est céleste. Tu es assis ensemble et pas y Christ Azali et pas Yozali sur les plans spirituels. Parce que tant que Christ a koufi, au koufi na Yeshu ensemble. Tant que sekwi et tant que a kundami, bo kundami ensemble. Tant que sekwi, bo sekwi ensemble na Yeshu Masia. Et pas y a vandi, yo vandi na ye elongo. En Jésus-Christ, position na yo, et sa position mogo élevé ensemble avec Christ. Mouto ya bongoli motema ya solo.
Muto andimi Yesu azana Yesu elongo position na ye eza na niveau céleste, na niveau na présence na Nzambe. C'est pour cela que je vous ai dit que non, un chrétien véritable ne peut pas être possédé. Non, ne peut pas être possédé. Parce que son esprit en lui est en Christ. Écoute encore dans Éphésiens chapitre 1. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se nomme, qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Jésus-Christ, il est ressuscité, il est s'assis à la droite du Père. À la droite du Père. Ce n'est pas dit que nous avons dans le bon comment vous voyez soit venu dans le bon à droite. Ce n'est pas ça spirituellement. Ce n'est pas ça. Par révélation, donc le Seigneur est assis dans sa majesté, dans sa puissance, dans son autorité, dans son trône. C'est ça la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la force. C'est le pouvoir. Donc Jésus-Christ est assis. Il est rentré dans la position où il va s'occuper avant de descendre, de mourir sur la croix. Et dans cette position-là, que Yeshu Masiya a vendu si bisho ba oyo bandime liye. Ba oyo bandime liye. A vendu si ba on a position wana. Alors, tant que vous avez na prière, na combat spirituel, na combat de délivrance, il faut avoir cette conscience-là que quelle est ta position. Il faut comprendre. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à l'obin na Timothée que Timothée, fait attention. Combat le bon combat de la foi. Gardez une bonne conscience. Cette conscience, beaucoup l'ont perdue. Donc, tant qu'on perd de conscience, selon la position où ils sont occupés en Christ, tu perds automatiquement le combat. Tu perds automatiquement la foi. Parce que ta position, il y a un peu comme ça, été au télémakati la foi. Au combat avec foi. Parce que la conscience, c'est important. Parce que la conscience, c'est le cas là. Un bateau. Où il n'y a pas de la foi est vendue. Il y a un peu comme ça, la Bible le dit que non, il y a un naufrage de la foi. En faisant naufrage de la foi, aux hommes, la conscience est assoutée. Quand il n'y a pas la conscience de ta position en Christ, ce que Christ a fait dans ta vie, qu'est-ce que Christ a déployé dans ta vie, ce que Christ a venu faire par rapport à ton salut, si tu perds cette position-là, cette conscience-là, tu perds le combat. Donc avant de se lancer, il faut regarder. Est-ce que conscience n'a pas? N'a yebi position n'a pas? Quand tu as conscience n'a pas? C'est très important. Dernier point, pour la première. Quand la Bible te parle, mon collègue Lélo, Isaac, veillez
pour que rien du diable soit en toi. Il faut veiller, regarder, examiner. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du diable en moi? Comme Jésus a dit aux disciples dans Jean chapitre 14, verset 30, il dit: je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Faut veiller, examiner, regarder. Est-ce que je ne porte pas quelque chose du diable à moi? Quand tu te lances au combat, quand tu veux se lancer dans les combats spirituels, quand tu veux se lancer dans la délivrance, il faut se regarder, veiller, examiner. Est-ce que je ne porte pas des marques du diable, des choses de l'ennemi? Oye koki ko empêcher le bon qu'on a Nzambe ko ça. Oye ko empêcher que Nzambe a se manifester. Faut veiller afin que les choses du diable ne se trouvent pas quand tu n'as bon moyen. C'est très important. Donc voilà les trois préalables, les trois points importants. Oyo, essayez de vous examiner quand d'abord mon inhabitation. Afin que, à partir de la boutique à l'élo, au côté de la prière, on s'examine, on ne pousse pas dans Zambé. Et Zambé, abandako, ko dépouiller, oyo, nion, c'est ça l'ennemi, quand il y a, afin qu'on vive la main de Dieu. En fait, que prière n'a eu que ça pendant cette semaine et que n'a pas été, mais au bénéficier, oui, je cherchais l'Éternel, je l'ai trouvé, il m'a délivré, il m'a guéri, il a débloqué ma situation. Alors, on a deuxième point. C'est les obstacles à la délivrance. Quels sont les obstacles? Oyo, et il y a qu'à la délivrance. Oyo, ça là que délivrance est échouée. Oyo, ça là que délivrance est accomplie parfaitement. Parce que nous avons parlé, nous avons dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Jésus-Christ est venu nous délivrer. Il nous a délivrés. Comme je vous ai dit, la délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est un processus. Nous sommes délivrés parce que le salut, sur la délivrance, nous étions prisonniers du diable, nous étions esclaves du péché, parce que si Dieu veut l'année prochaine, si Dieu veut, je vais retourner parler en profondeur sur la délivrance, parce que mingi ta bayoka délivrance, bazo mona ka délivrance, et zala kaka na ba démon. Oh non, si on me dit que ça demande, il y a une délivrance. Non, bien aimé, délivrance ne dit pas seulement les démons. Et la délivrance, il y a une délivrance qui est délivrée. Non, il y a une délivrance
nous a délivrés. Michou ba koyaka par sentiment. Michou ba koyaka par émotion. Ogogo koyaka aux a délivrés. Dans la délivrance, il y a solo. Et bandaka, la conscience, il y a monde. Il y a un autre qui va vous parler. Bah, point, oh, il y a un non. Délivrance et avant, et aujourd'hui, délivrance totale. Et puis, durable. Ou bien aujourd'hui, au passé, délivrance, mais délivrance, c'est incomplet. Échoué. Et là, on y a un autre qui non. Bah, délivrance et aboutirité. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, non. Dieu, il est tout puissant. Jésus-Christ, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant des miracles, des délivrances, des guérisons. Ce qui va miracle, va délivrance, va guérison, oh Yesu. À celle qui n'a sait na moi oyo pendant ma séjour na ye na ministère na terrestre bien aimé ne bible to ngoza na bible ngoko ka kapelati tellement ils ala qui trop nombreux ya ndenge na ndenge ya mwana ba juila biso ka ba parti ba lobe la biso parce que c'était son carnet de charges. Ses objectifs étaient la délivrance, la guérison, l'enseignement, des miracles. Alors, de ce côté-là, bien aimé, Zambazan a problème été. Problème est allé dans Moutou Oyo, à Zoroluka délivrance. La première des choses. Oyo salake, délivrance est échouée quand il y a la manque de repentance, de vraie repentance. Nenge na uti koloba déjà, na ba point oyezale qui important tant aujourd'hui qu'on s'est lancé dans la prière du combat spirituel. Mais dans la prière de délivrance. Et lorsque ça la raque moutou, oyo, azo luka délivrance, ou bien oyo a luki, azo poussa na po na délivrance, et lorsque ça la que oyo échoué na délivrance na yo, quand il y a la manque de repentance, un vrai repentance, tant ozo go ya, mingi bazalaka, a coûté attention à mon salé dans Zambé, ou bien à pousser ni pour la colouque longue dans Zambé, Zamba délivré, Zamba sungaye, au lieu à la sincère, na moté manaye, à la vraie repentance, vraie confession. Non. Il cache des choses. Vraie repentance et salamité. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 3, quand Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. À planifier les chemins du Seigneur. Bobongi Savanzela, Yankolo. La Bible dit, Batoubabanaki Koyoka, Batoubabanaki Koya, pour que Bazala baptisé. Mais Jean-Baptiste était un tali, un pharisien, un tali, un sadducéen, un tali, un scribe, un lobby, race de vipères. Qui vous a appris? Qui vous a appris de fuir la colère de Dieu comme ça? Non? Bah, qui m'a raconté dans Zambé Boyete? Pourquoi? Bah, bon, papa, n'a qu'il y a? Non? Pour que, bah, passer dans le baptême comme ça? Mais, bah, ça là qui vraie repentance, c'était.
bafoui digne de la repentance et monisha ma kite kati la vango. Yama ben mamo grâce de vipère. Donc vipère a koko changer poso. Kon nyoka koko changer poso atikali ka nyoka. Alomoli ka poso likolo, mais atikali ne ka nyoka. Mingi bazo ya na bonzambe, bazo luka delivrance, mais en soi, basa la repentance ya soloté. Basa la repentance ya soloté. Donc ozanga ko sala repentance ya solo. Yangone ko sala ke non délivrance la ye échoué. Échoué. Ça c'est la première point. Premier point, manque à délivrance. Et manque, il y a vraie repentance. Il y a un gros ça là qui est non. Vous avez un problème. La délivrance, na yo. Vous avez ça là qui est empêché, Zambé même, à intervenir. Na tina na bon moyen na yo. Deuxième point. Manque de pardon. Manque de pardon. L'esprit de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, la Bible dit ceci dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Matthieu, chapitre 6, verset 12. 12 à 14, la Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'esprit de pardon. Mini bazo luka délivrance. Mais en au-dedans d'eux, ils ont des problèmes. Oui, Seigneur, il a réglé. Il faut pardonner. Même si ça peut t'écouter, oui. Pardonner, afin que tu sois libéré. Délivre-nous, ayez après que pardonne-nous nos offenses. Délivrance, c'est que yate soki kouti kati na yo. Oza na ba rakine. Oza na ba amertume. Yama kambo batu ba sala yo. Délivrance, c'est que yate. Dieu veut trouver en toi le pardon. Le pardon, il y a un gros là qui est déclenché quelque chose dans ta vie. Comme je vous ai dit, bien aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement de chasser les démons, de faire ceci, cela. Et ça va mingi ba makambo, ça bloqué na bomo ina bomo. Et ça quoi avancer te. C'est parce que au-dedans de lui, à Kanga Batou, Batou y a l'obisakate, Batou y a lingakate, la haine n'est en akati, les rancunes n'est en akati, la meurtrie n'est en akati. Oh, et ça dit que non, ma Kamounoise a la bloqué. Yo, mon comme il tient la prison sans le savoir. Parce que tu n'as pas l'esprit de pardon.
Tu veux la délivrance? Libère ces gens-là. Oyo kanga la motema. Tant que yo libéré bango, au pardonné bango, et c'est à ce moment-là la délivrance et kotika tu d'abord moyen yo. Regarde comment Zaché a eu le salut. Jassé a eu le salut lorsque ce n'est pas quand Jésus l'a vu. Non. Jésus l'a vu et lui a dit, Jassé, descends aujourd'hui. Je vais aller chez toi. Jassé a même mis Jésus dans la conaïe. Bavani, tiens, yoki maloba. Tangwa yoki maloba. Ne jache abandiko loba. Abandiko zo biloko. Alobi yemoko. Biloko yon a zoki pa moutu. Nako rembourse yango. Nako zongi se yango. Ne Jésus a pris la parole. Il a dit. Aujourd'hui. Lobi ke koti. Kati nanda kuna yo. Lobi ke koti pa ina yo jache. Pourquoi? Parce que jache a se libéré. Ne l'obligue koti, ne délivrance koti na linda kwa jache, na bon moya jache, parce que na linda kuna yé, donc ezaki bon moya na yé, sur le plan spirituel. Donc jache a joki délivrance, tango abandi ko libéré, o ezaki kati na bon moya na yé. Batu yo kanga, batu yo sibo, tiana monte mana yo lobege, nga na yé toko lobanate, tiki no soso kobota ma, abota ma, soki minu. Avant qu'on ait l'oba, bon, tiens, moussapi, gao. Eh, bien aimé. Mais ozo komi kanga. Ozo mi kanga. D'autres choses dans ta vie et qu'on marche te. Tant que ozo zelana ba, moussapi, moussouse bota. Ozo zelana, moussouse bota minu. Tant que ozo o kangi ba, tu na monte mana yo, bo y ko limbi sa. Ou qu'on vive en fer dans ma kamusu na bon moyen yo. Jusqu'à ce que tu vas avoir la conscience, prise de conscience que non, il faut na libérer bateau. Il faut qu'on pardonne. Manque de pardon, manque l'esprit de pardon, empêche ou est un obstacle. Na mutu azwa délivrance. Koke non na mbangu te ya kokota prière parce que mingi ba kena ba combat spirituel. Toke ko bunda, toke ko lié, toke ko sa nini. Mais na mutu mana ya ling azana bato alinga raté. Même bato même o bazana ensemble bazo sambe l'ensemble. Misu bazo lo balo bana raté. Comment expliquer? Bino bozo ya komé spirituel. Mais kati na bino ezala batu misu baza ba ennemi. Na église baza na ba ennemi. Mais yango bomona kaka église yango batu babongwa na kati. C'est parce que parmi ba oyo baza na kati ona misu ba yoka na kati. Baza ba ennemi. Moko asala muninga mabe akangela muninga kanda. Mais baza église moko. Baza ba intercesse ba kenda ape ko combat na ba combat spirituel. Toi avance tu comprends beaucoup de choses. Troisième point. Ah, nerve ça son boule. Troisième point. L'esprit de l'orgueil. L'orgueil empêche quelqu'un avoir la délivrance. L'orgueil est un obstacle à la délivrance. Écoute ce que la Bible dit dans Osée chapitre 5 verset 5.
Nous autant à Osée 5, chapitre 5, verset 5. Job, chapitre 35, verset 12. Proverbe, chapitre 29, verset 23. L'orgueil. Nous autant à Job, chapitre 35, verset 12. Les autres, tout en y en a pour tout le temps. Job chapitre 35, verset 12. Job verset 35, verset 12. La Bible dit ceci. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas. On a beau crier, mais Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Mais sinon, on a un passage au thé. Vous voyez que non, Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Oui. D'accord, qu'on peut ça. Mais écoute, c'est ce que la Bible dit ceci. On a beau crier, donc on a beau prier. Priez Dieu, délivre-moi, Zabé, délivre-moi. Eh, baba, yara, yawe, ok, naba, langue, yaba, chaka, yaba, yaba, yawa. Oui, tu as beau crier, mais Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Quand il y a l'orgueil, Dieu ne répond pas. Quand il y a l'orgueil, Dieu ne répond pas. Mignon, on a l'orgueil. Que non, Mouto yaza vanta alobara alobara. Et pas dans Zambé, ce n'est pas ça. Donc, on peut dire que non, c'est ça, mais, et pas dans Zambé, sur le plan spirituel. Zamba, on a un orgueilleux, celui qui n'a pas besoin de Dieu. Celui qui voit que, voit que non, je suis suffisant. Je n'ai pas besoin de délivrance. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Je n'ai pas besoin. C'est un orgueilleux. Missus faisons nous la délivrance, mais au dedans, bon, aïe car rapport aïe, azo prier car rapport à prier. Mais la carte n'est pas convaincu. Alors un esprit moko supérieur. Il voit qu'il est au-dessus de tout le monde. Il voit que non, sans lui, donc il m'a quand même aussi batté. Tu es un orgueilleux. Nous avons ça à Angolou, nous avons besoin de m'quitter ça. Nous avons ça à Kanao, nous avons besoin de m'quitter ça. Sois humble devant Dieu. Sois humble devant les hommes. Il y a moi comme ça là que Zamba zana rapide pour na a délivrer yo a kangola yo a bonisha gloire ne kati na bon moyina yo. Mais quand tu es à un esprit d'orgueil, tu es suffisant en tout, tu n'as pas besoin de rien, tu es enorgueillé. Pourquoi tu cherches la délivrance? Il faut d'abord oser la délivrer dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, il y a mon aussi un obstacle dans la délivrance. Quatrième point. Manque de révélation. Manque de révélation. Tant que ça, la révélation t'est. Natina na délivrance aux autres qui ne connaissent pas une Zambé. C'est aussi un obstacle. Il faut avoir la révélation. La Bible déclare que sans la révélation, le peuple marche sans frein. Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La Bible déclare dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des bonnes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tant que nous avons une délivrance, pour que la délivrance soit totale et complète, et nous avons tant que nous avons la révélation de Dieu. Que Dieu te révèle. La première des choses, la révélation, la révélation de l'œuvre de la croix, de ton salut. Le lingé la lobaki na première, na première, na deuxième point, il y a après là-bas, après dans zone qui est na combat spirituel, être conscient de ta position. Donc faut osana révéler. Osana conscience moko révéler. Au comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a apporté dans ta vie pour que au recevoir le salut. Sur la croix, Jésus-Christ est devenu péché pour que tu sois libre. Il est devenu malédiction pour que tu sois béni. Sur la croix, il a porté la guérison, il a porté la victoire, il a porté. Donc, il faut avoir cette révélation. Tant aux autres que nous délivrance, la révélation de la lèvre de la croix. Où ils ont porté quand ils avaient moyen. Deuxième point, vous avez besoin de révélation, il y a source, origine, il y a les cambou, ils ont gagné le luka, délivrance. Il y a un moment qui non, tu parcouris un bon moment de savoir, de comprendre de l'œuvre de l'ennemi, Satan, comment il agit, les démons, comment il agit, les sorciers, la divination, toutes ces choses-là dans l'église du Seigneur. Tant que tu n'es pas révélé l'origine de ton problème, tu vas prier comment? Tu vas combattre les conséquences au lieu de combattre l'origine ou bien la source. Tu vas toujours tourner en rond. On va que mignon va pas non là délivrance en moi ici mis dans moi. Ah c'est que pasteur wana bien et serviteur wana de Dieu wana azana ya fo azana nguya te ako azana abenga mina ba délivrance te ce n'est pas problème. Il y a serviteur de Dieu, ça problème na yo. La première chose, c'est ton problème. Bien sûr, quand il s'agit d'une délivrance, mon corps approfondie, parce que délivrance, c'est ça, niveau par niveau. Délivrance, c'est niveau par niveau, bien-aimé. Il y a niveau où il est monté quand il est Christ. Mais la Bible dit qu'autant dans Marc, chapitre 16, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est la délivrance aussi. Mais à un niveau y a bateau yo ba yen a bon zambé. Mais quand il s'agit y a muto y a zaki un occultiste, un sataniste. Oh y a vanisami y a un muto yo azana l'homme fort. Ça devient dimension moussous, niveau moussous. Donc service à délivrance, ils ont un niveau par niveau. Ils ont un niveau par niveau. Alors, mon toi, un serviteur de Dieu, oiseau, il a ça la délivrance, dans mon toi, il a ça le problème, ils ont un problème, ils ont une retraite, ils ont une série de prières. Il faut que Ayeba, source, il y a problème. Parce que si tu attaques les conséquences et la source des mers,
la problème on est rond. On est tourné en rond. Donc c'est très important quand tu te lances na délivrance obstacle et zalaga. Ce qu'il n'y a pas la révélation de l'origine, il y a problème, il y a situation. Oyo ozana yango, faut connaître l'origine. Je vous ai dit na ba enseignement où tu veux, faut connaître l'origine. Parce que dans l'origine ou dans la source du problème, ne yango yo ko attaquer, mututanga za délivrer na source, délivrer na l'origine, la situation ozana yango. Conséquence ko bunga yango moko. Troisième, c'est que non seulement de connaître l'origine, tant aujourd'hui, on comprend déjà, Nzambe a révélé l'origine, il faut que Nzambe a révélé aussi les remèdes, l'orientation, il y a prière, il y a délivrance, le lengini n'est qu'au tambour, le lengini n'est qu'au marché. Parce que, vous voyez, bah, source, mais si on a révélé, n'a-t-il un remède ou bien solution, le lengini n'est pas orienté prière, ça peut aussi échouer. Ça peut aussi échouer. Tomoni yango na Élisée ba me milieu problème. Ils ont c'est la délivrance. Donc Élisée a comprenait qui source. Na 2 Rois chapitre 2 je crois. Élisée a comprenait qui source. Mais avait la révélation. Il y a remède ou bien solution. Oh et c'est lui qui a porté. Ah oui, vous voyez, il a un amour. Dans ça, il y a neuf. A même un amour, il y a source. A boire qui? Mais, problème est là qui? C'est stérilité, le moi qui? Stérilité, c'est qui la source, il y a un mot. Attaquer stérilité, attaquer la mort, mais attaquer la source. C'est très important. Donc, trois choses, voilà. Ceux qui ont manqué révélation, il y a un mot. Il y a un gros obstacle à la délivrance. Cinquième point, il y a 12 points, mais à cause du temps, on va parler quelques points seulement. Il y a un gros obstacle pendant le temps, il y a une prière, autour de la semaine, il y a un gros obstacle ou bien un gros obstacle afin que tout. Tout à la complète, tout comprendre ces choses. Donc, on a vu déjà quatrième point. Cinquième point, toujours sur le cinquième point. Manque de foi. Cinquième point, manque de foi. Romains chapitre 4 verset 16, Luc chapitre 18 verset 42, et puis Matthieu chapitre 15, ce que vous connaissez, la Bible dit ceci, quand tu vois, bien aimé, ma délivrance, ma guérison, oh nous sommes Jésus Christ, abanaki ko sala et banaki ko lobama ete ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Na Matthieu chapitre 15 toujours au moins la femme cananéenne oyezaki na mwana na ye tourmentée par des démons, par des esprits mauvais, tanga ye pa na Yesu, il a crié, il a demandé le secours. Mais Jésus l'a dit. D'abord, la première des choses, il était silencieux. A répondre par un silence. Deuxièmement, a répondre que non, le pain des enfants, on ne le donne pas aux petits chiens. Mais cette femme a dit, même les miettes, banabalia quand on a sé la messa. Jésus-Christ, yo ke lokomukande ngwana bi, non. Je n'ai jamais vu
un si grand foi comme ça en Israël, je ne l'ai jamais vu. Et il a dit, femme, ta foi a sauvé ta fille. Ta foi même m'a battu. Il a dit, ta foi à d'autres bien-aimés, intervention à Yeshua Messie, il lui disait toujours, ta foi t'a sauvé. La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il faut croire que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. La foi est la clé. Il y a délivrance là. La foi. Quand tu manques la foi, oh bien-aimé, il y a l'obstacle. Il y a l'obstacle. C'est pour cela, quand nous avons ça, nous avons délivrance, il faut tout nailler. Ce qui est lingi, ben lingite. Ce qui est lingi, naïeté. Au coco bateau kiti, rien ne va se passer. Il faut que nous manifester la foi, à manifester désir wana. Manque la foi, ezali obstacle na délivrance. Manque la foi, manque la foi, et que ça la que délivrance na yo. Échoué. Échoué. Donc, bien aimé, tu as besoin de la foi. Tout au long, il y a ma bonne délire à Bissot. Tout au long, il y a ma bonne délire à Bissot. La présence dans Zambé. Quand on joue Luka délivrance, il faut rendre compte. Il y a repentance na yo. Manque à repentance et qu'on fait échouer ou bien obstacle à la délivrance. Il faut avoir l'esprit de pardon. Manque à esprit de pardon et que ça l'obstacle à la délivrance na yo. Même pour les gens de la peau dans monde. Même pour les gens de la tienne à l'ibote. Délivrance est aussi ma matière. Choqué. Tu n'as pas l'esprit de pardon. Aussi, quand tu manques la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Il y en a trois points. Révélation de l'œuvre de Jésus-Christ. Sous la croix. Oya sala pour la bombe, il n'a tiens la salut. Révélation n'a tiens la été. Source ou bien origine, il y a problème dans les pousses en libre dans Zambé. Oye le Seigneur la délivrance. Faut pas source n'a yango. Parce qu'on attaque la source, pas les conséquences. Et puis, remède, il faut être révélé. Il faut avoir la révélation de la solution aux Zambé, à ce qu'on a porté. L'orientation, le lengini no ko marché, le lengini no ko tambula, na service à délivrance, le lengini ni Zambé ko orienté yo, ni ne sengeni yo sala. Kokelemba mba mouté, au nom de Jésus, je lis. Oh, Jésus Christ n'a pas dit de lier les démons. Il a dit de chasser les démons, de détruire les œuvres du diable. Tu lis aujourd'hui l'obsession, il y a lié les choses, les démons au lié à kak. On ne peut pas lier un esprit. Comment tu vas lier un esprit? Voilà les prières de combat spirituel, comment tu peux lier un esprit? Comment tu peux lier un démon?
Avec quoi tu vas lier les démons? Jésus lui-même, il était là. Il était ici, sur cette terre. Aucun passage biblique nous montre que Jésus qui a lié les démons, ou bien lié les esprits, ou a lié Satan. Ni les apôtres, ni Jésus lui-même. Et toi, tu viens avec ton enseignement là du combat spirituel, lier les démons. Est-ce que tu as le pouvoir de lier les démons? Ou tu as le pouvoir de lier Satan? Non. Yo mon on lié les lobbies sur yo lié lobbies sur yo lié yo lié à gaga mais bah si la raté. Ce sont des faux enseignements. On ne lit pas un démon parce que c'est un esprit. Dieu, Jésus, nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de résister les diables, de détruire les œuvres du diable. Quand on parle de lier, les lignes qu'on battait, qu'on liait des mots. Ce que vous lierez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut avoir la révélation. Voilà, bien-aimé, je m'arrête par ici. Je vais te rappeler, bien-aimé, qu'à partir du lundi, donc, il se sent que non, parce qu'il y a un passage, un point, en ce qui concerne les gènes, toutes ces choses-là. Parce que il y a une délivrance. Il croit, non, délivrance, c'est encore faux, aux anagènes. Ils ont mettre délivrance, gènes du bosso. Ça aussi, ça peut faire obstacle à la délivrance. Gêne, qu'on gêne à ma langue, qu'on prie à ma langue, mais les gènes ne délivrent pas. Les gènes ne délivrent pas. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Gêne, ils ont qu'on permettre yo. Aux en attitude du monde qu'on a disposition, mon corps il y a malam, il y a humilité, en fait que le Seigneur a secourir yo, a mis mon isamakati na yo. Mais tant que comme ici gêne, comme ici ce que gêne te rejoint délivrance, te non. Non. Ce n'est pas que délivrance, Seigneur, surtout faut gêner. Non. Mais aux gènes, aux malames, aux égaux, permettre aux ana disposer, aux ana na signe, il y a humilité devant Dieu, il y a qu'au s'humilier, ils ont dépend de ce qu'ils ont, na dégré à l'icambo, ils ont rien. Yangwe senge na yoza. Rosa la soko ozo gêné, mais si tu manques la foi, tu n'auras rien. Ogo gêné, mais si tu manques la révélation, et ça l'obstacle. Tu peux gêner, mais si tu manques l'esprit de pardon, c'est un obstacle. Mais gêne, ils ont permis que aux donc la disposition moko à malam. La position moko, il y a humilité. Il y a quoi implorer grâce en Zambé. Mais gêne, ils ont bien. Pour y'a quoi sungayo.
Alors na ba auto ba ko passer temps na bango pendant cette semaine dans le jeûne, dans la prière. C'est une bonne chose. Et ça bien, ça encourageant. Parce que tu seras dans la disponibilité mon quoi malam. Oui, que ça là que l'intervention de Dieu. Et pour ce n'est pas il n'y a aussi il n'y a pas l'obstacle. Zamba ko yana rapidité. Na mbangu lolenge Daniel alobi que l'ange wana ayaki na vitesse moko pour na ko pesa nini. Pourquoi? Parce que azaki na jeûne, azaki na prière. Donc za malamu mingi. Alors toujours que na prière pendant cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout ça na kati ya prière. Yo moko lukelo ngi na Nzambe. Yo moko poussonne pas na Nzambe. Lo lenga yo poussonne pas na Nzambe na problème na yo. Dieu est capable ya ko délivrer yo. Ce n'est pas seulement que les serviteurs de Dieu Matiyo maboko abonde la pona yo ne aujourd'hui délivrance. Oui, ça peut se faire. Ils ont dépendé y a un qui dépend de ya niveau par niveau ya délivrance, ya service, ya likambo yo zana yango. Mais tu peux aussi faire un auto délivrance que yo moko pousse pas dans Zambé, que yo délivre pas dans Zambé, mitique pas dans Zambé. Dieu est capable de descendre et de te libérer. De te délivrer. Yango, toujours pousse en yango, que ça la libération dans Zambé. Prends ta disposition. Kangisa, ba makamounion surtout, pousse en épaille dans Zambé. À partir de 0h, le nom à 0h, au côté de la prière, au pousse en épaille dans Zambé. Au cibler les kambonayo, au pousse en épaille dans Zambé. Au Seigneur, Nzambe, révèle-moi. La révélation est importante. Au Yébi déjà que non, c'est que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais ce qu'on a au Yébi, c'est cause à l'Ikamboyo Zanayamou. Problème est aux Outawapi. Bon, ne l'est pas Nzambe à révéler. Bon, ne l'est pas Nzambe à orienter Yondoni ou orienter Pierre Nayo. Et na partir à 21h, tu pousses un ébisonion surtout. Tu continues à prier au bon de l'Nzambe. Même une heure et demie, toujours au bon de l'Nzambe. Le Seigneur lui-même a yébi l'éni na ko orienté bisou na prière. Yako louke longi l'Nzambe. Yako louka délivrance. Yibosou l'Nzambe. Na tina na bobo inabiso, na tina mabota inabiso, na tina na bana tout, nous allons prier na 5 jours oyo, toujours liboso na Nzambe. Nenge Nzambe oriente biso ndenge to kokende la. Mais na lobite na moto gêné, mais gêne et où te pa ina yo moko, ils ont dépendre na problème oyo zanango. Si tu vois que non, on a problème, on a un ango. Ils ont cinq ans, on a côté vraiment la prière, la profondeur, côté. Côté. Entre en profondeur. Cherche la face de Dieu. Voilà, bien-aimé. Donc, tous les coups, chaque jour, à partir de 21h. Tu es toujours en live à partir de 21h. Tu continues à prier. Tu louques l'ongé dans Zambé. S'il s'agit, il y a exhortation, mon corps, il y a mon cœur, le corps là-bas, point important. Oh, tu en as silité. Nous allons essayer de prendre les deux ou trois, de partager. Après, on entre dans la prière. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prions de ce que nous avons attendu. Que ce que Dieu nous a parlé cet après-midi, banako bonne le pays dans Zambé, koti kabo mo ine pays dans Zambé, koti kalisusu semaine oyapiye na maboko dans Zambé,
kosenga nzamba révélé yo, kosenga nzamba monisa yo, nzamba kamba yo, nzambe asale la yo lisusu malamu, enfin que tant zo shisa programme oyo, tozala vraiment libéré, tozala vraiment libre, tant zo kota année 2021, to vivre makamba minene, makamba kokamwa, oyo nzambe abongisi libiso, to bondeli na kombo na Yesu Masiya. Éternel Dieu Tout-Puissant, Nazoko Pambola Komona Yo, Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui nous rassasie, qui nous donne la joie, qui nous donne la lumière, Seigneur Jésus. Ô Éternel Dieu des armées, laisse, Seigneur Jésus, cette parole soit gravée dans ma vie, soit gravée dans mon cœur et que je le mette en pratique, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé, tu nous as dit beaucoup de choses, Seigneur Jésus. Tu as été Zambé, Nanguya, Père éternel, et Dieu n'a vu vraiment la bonne moïnanga. Que rien est ça l'obstacle dans ma vie. Oh, Zambé, rien est empêché, yo. Rien est empêché de vivre la délivrance totale et complète dans ma vie, Seigneur Jésus. Que rien est empêché, mon frère, ma soeur, à vivre la délivrance complète et totale dans sa vie, Seigneur Jésus. Yahweh, Sunga Moko la Moko, Sunga était ton maître en pratique, Ezali Malobana Yo. Wana Zambé Nangwa Éternel, Dieu Tout-Puissant. Yao Pesibiso, Semen Oyo, Katina Prière. Nazo recommandé Semen Onamaboko na Yo. To vive le Boko na Yo Zambé. Naba prière na biso personnel. Naba prière na biso collectif Zambé. Yesu to vive grandeur na Yo. To vive le Boko na Yo. O se révélé na biso Zambé. Na kombo na Yesu Masiya. Yahweh na recommandé mon kona maboko na yo. Ba oyo nyon son zambe na mouya. Ba landi biso zambe na mouya en life, Seigneur. Ba oyo nyon son kona na biso après, Seigneur Jésus. Yahweh tika eten zambe na mouya. Éternel Dieu, mi tema na biso zala mon kopo na kolu ke longi na yo. Toko poussa ne pa ina yon zambe na présence na yo. Pe na ebi eten zambe ba oyo nyon son luka ki yo na mi tema mo bimba. Mon côté Nzambe Nangwa l'Éternel et Ashuaki. Mon côté Azanga ki komona yo Nzambe. Poyo lobi na mikanda ete Seigneur Jésus. To luka yo tango ozo komi monisama. To luka yo na mitema na biso mobimba. Éternel tikete mitema na biso Nzambe. Ezala disponible pour na koluke longi na yo. Toutes ces semaines Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et to vivre ta main puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tobe te liye sou maboko makasi. Wana bien aimé, tokutani, lobi, na pokwa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Douille.